pas de pitié pour les croissants. Si vous êtes sage, on vous montre la suite. À dîner ce soir. Oh mais je ne peux pas, c'est papa. J'ai une montagne de travail à faire. Vous savez ce que c'est vraiment. Comment ça, tant pis? Ah ben non, pas tant pis. Ah ben non, pas tant pis. Non non, vous savez, c'est papa, je vais me débrouiller. Non non, c'était pas une montagne, c'était juste une colline. Qu'est-ce que je raconte? Non non, c'est un tout petit talus. Si si, je vais m'arranger. Bon, dans une heure chez vous. Oh non, ne dites pas des choses comme ça, sur papa, vous allez me faire rougir. Bon d'accord. À tout de suite. Super pas. Non, c'est rien, mademoiselle Dorothée. Ah, je voulais simplement vous demander si ça vous gênait que je passe l'aspirateur là maintenant, parce que je voudrais partir un peu plus tôt. Oh, t'as un rendez-vous galant, ton petit coquin. Ah, c'est que j'ai invité une copine à dîner ce soir. Elle est jolie, ta copine? Oh oui, mademoiselle Dorothée, elle est jolie. Eh bien, ça tombe bien, mon petit Pat, vas-y, parce que moi aussi, je dois partir un petit peu plus tôt ce soir. Ah bon? Oui. Vous avez un rendez-vous galant, vous aussi, mademoiselle Dorothée? Oui, tu dis à personne, mais devine chez qui je vais dîner ce soir. Je sais pas. Chez Super Pat. Oh, vas-y donc, vous avez de la chance. Vous allez goûter certainement sa merveilleuse choucroute au merguez. Oh, beurre. Moi, je sais pas comment lui dire, moi, à Super Pat, mais j'en ai un peu assez de sa choucroute au merguez. Et vous auriez envie de quoi, mademoiselle Dorothée? S'il pouvait me faire une bonne paella au merguez. Bon, allez, il faut que je me sauve parce qu'il faut que je passe chez moi me changer. Il m'a demandé d'apporter ma petite robe espagnole. Il me trouve très sexy. Ah ouais, vous êtes tellement belle dedans, mademoiselle Dorothée. Merci, mon petit Pat. Allez, ne te couche pas trop tard. Hein? Ah, bonne soirée, mademoiselle Dorothée. Au revoir. Oui, oh, bah, tu sais, avec Super Pat, je ne crains rien. Ouais! Eh bien, non, pas de pitié pour les croissants. Ah, c'est vraiment très, 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 très bien, ça. Oh, dites, monsieur le savant fou, c'est quoi que vous faisiez, monsieur le savant fou? Fidèle Ariane, je prépare une potion qui me permettra de me débarrasser de cet imbécile de Super Pat et de devenir le maître du monde. Ça sera bien, monsieur le savant fou. Dites, monsieur le savant fou, c'est quoi cette potion, monsieur le savant fou? C'est un mélange ultra sophistiqué de vitamines qui me rendra encore plus intelligent. Tellement intelligent que plus personne ne saura me résister. Plus personne, monsieur le savant fou? Plus personne, fidèle Ariane. Dites, monsieur le savant fou. Qu'y a-t-il, fidèle Ariane? Et toc. Y a pas de raison que ça soit toujours lui qui commande. Maintenant, c'est moi que je serai la maîtresse du monde. Vas-y, j'adore ça! Olé! Oh, monsieur Super Pat, quand vous jouez de la guitare, j'ai des ailes aux pieds! Oui, j'aime ça, bébé! J'adore ça! Vas-y! Olé! Allô? Oui? Si, c'est ça. Si, vous êtes bien chez l'innocente victime. Mais oui, mais seulement j'ai coupé ma barbe. Oh, c'est vous, mademoiselle Ariane. J'avais pas reconnu votre voix.
Vous avez besoin de moi, mademoiselle Ariane? Mais sans problème, mademoiselle Ariane. Mais j'arrive tout de suite, avec joie, à votre service, mademoiselle Ariane. Chichounette, les affaires reprennent. Je crois que j'ai trouvé du boulot. Pas de pitié pour les croissants. Mais où ils vont chercher tout ça? C'est super, Pat. J'en peux plus, je suis épuisée. Quoi, déjà, bébé? Ça fait 4 heures que je danse, c'est super, Pat. 4 heures? Mon Dieu, comme le temps passe. Tu n'aurais pas une petite faim, par hasard? Oh, si, c'est super, Pat, je meurs de faim. Et que dirais-tu d'une paella à la merguez? Oh, comment vous devinez que j'avais envie de ça? Oh, monsieur super Pat, vous êtes too much. J'y peux rien, je suis comme ça. Entrez! Bonjour madame, je suis l'innocente victime, j'ai rendez-vous avec mademoiselle Ariane. Vous ne sauriez pas où elle est, mademoiselle Ariane? Mademoiselle Ariane, c'est moi, imbécile. Ariane, j'aurais jamais reconnu que je vous arrivais. Eh oui, j'ai bu la potion magique de cet imbécile, le savant fou, et je suis devenue supérieurement intelligente. Oh. Et maintenant, je vais devenir la maîtresse du monde. Oh, ben ça, c'est formidable, faut que je vous baise la main. Ici, la main. Oui. Oh, la main. Oh, depuis les bêtes. Et toi, tu seras mon fidèle assistant dévoué. Oh. J'en ai si tellement tant rêvé. Mademoiselle Ariane, vous êtes tellement merveilleuse, tellement belle, tellement si jolie, et je sais, tellement je si sais, je sais. Dites, mademoiselle Ariane. Oui, le son de victime. Où est-il, monsieur le savant fou? Ah, ce crétin, je sais pas, il doit traîner quelque part par là. Ah, tiens, le voilà. Allez, viens, tu vas m'aider. Oh. Allez, prends les pieds. Dépêche-toi. Oui. Oh. Oui. Oh, mon Dieu, qu'il est lourd. Oh, il est lourd, hein. Mon Dieu, qu'il est lourd. Il est insupportable. Je ne le supporte pas. Voilà, très bien, le couvercle. Vive mademoiselle Ariane. Eh bien voilà, innocente victime. Maintenant, tu n'as plus qu'à sortir la poubelle et les éboueurs se chargeront de nous en débarrasser. Oh, c'est que c'est intelligent, mademoiselle Ariane. Est-ce que vous êtes intelligente? Je sais, toi, dépêche-toi. pas de pitié. Pour les croissants. Ça vous a plu? Alors, on continue! Alors, bébé, heureuse? C'est délicieux, monsieur Superpat. Tu en veux encore un petit peu, là? Oh non, non, merci, monsieur Superpat. Si j'avale encore une bouchée, j'explose. On fait pas ça, non, on fait pas ça. Dites, monsieur Superpat. Oui, bébé. Je pourrais vous demander quelque chose qui me ferait très plaisir. Allez, je t'écoute. Eh bien, voilà. Est-ce qu'on pourrait aller dans votre chambre pour... Pour... Ah, oh, j'ai compris, oui, tu veux jouer avec ma... Avec ma console de jeu, n'est-ce pas? C'est ça, oui. Eh bien, c'est d'accord, allons-y. Mais qu'est-ce que c'est que ça, enfin? Vous attendez quelqu'un, monsieur Superpat? Bébé, tu peux t'imaginer que quand je t'invite à dîner avec moi le soir, je n'attends personne. Bon, écoute, j'y vais, reste là. Regarde ce que j'ai ramené, bébé, et j'ai trouvé devant la porte. Oh, monsieur savant fou, qu'est-ce qui lui est arrivé? Pas de pitié pour les croissants. Qu'est-ce que c'est bien? Fidèle assistant dévoué, grâce à mon plan machiavélique, je vais enfin réussir à ce que cet imbécile de savant fou n'ait jamais réussi à obtenir. Me débarrasser de Superpat et devenir enfin la maîtresse du monde. Ça sera bien, mademoiselle Divinariane. Fidèle assistant dévoué, j'adore quand tu m'appelles Divinariane. C'est normal que je vous appelle mademoiselle Divinariane, puisque vous êtes divine, mademoiselle Ariane. Je le sais, assistant dévoué, je le sais, mais ça fait quand même plaisir. Je suis comme ça, moi. Dites, mademoiselle Divinariane. Eh oui, fidèle assistant dévoué. C'est quoi votre plan machiavélique pour devenir la maîtresse du monde? Eh bien, écoute bien. Oui. Là. Quoi là? Vous avez deviné rien, là. Eh ben oui, c'est normal. Vous avez un micro. Ah oui. Et alors, si vous me racontez à moi votre plan machiavélique, le monde entier, il va être au courant. Pas bête.
honnête, fidèle, assistant dévoué, pas bête du tout, ça. Enlève-le-moi. Allez, petit chien, entre nous, enlève-le-moi. Voilà, ça y est, c'est fait. Dites, monsieur savant fou, vous êtes sûr que c'est votre fidèle Ariane qui vous a mis dans cet état-là? Hélas oui, mademoiselle Dorothée. Je ne sais pas ce qui lui a pris, ma fidèle Ariane. On ne pleure pas, monsieur savant fou. Allons, monsieur le savant fou, récapitulons. Que s'est-il passé exactement? Eh bien, j'étais dans mon laboratoire comme d'habitude. Je venais de mettre au point l'arme infaillible qui allait me permettre de me débarrasser de cette... Enfin, de cette... De vous. De vous, lorsque tout à coup, ma fidèle Ariane m'a sauvagement assommé avec un rouleau à pâtisserie. Et après, je ne me souviens plus de rien. C'était quoi cette arme infaillible, monsieur le savant fou? Oh ben, au point où j'en suis, je peux vous le dire, c'est un concentré de vitamines qui multiplie par 12 500 l'intelligence humaine. Alors autant vous dire qu'avec mon génie, je devenais virtuellement le maître du monde. Mmh. En effet, je comprends. Calmez-vous. Mais tout ça ne sert plus à rien, monsieur Superpat. Ma fidèle Ariane m'a trahi. Et quand je me suis réveillé, et que la benne à ordures allait me broyer, eh bien j'étais désemparé. Je ne savais plus quoi faire. Alors, je me suis permis de venir vous trouver. Monsieur le savant fou, nous avons toujours été ennemis. Sans cesse, vous avez tenté de me détruire afin de réaliser votre rêve insensé de devenir le maître du monde. Mais aujourd'hui, vous êtes un homme brisé. Et je comprends votre douleur. Comme c'est beau ce que vous dites, monsieur Superman! Je sais, bébé, je sais, oui. L'auteur n'est pas totalement imbécile. Monsieur le savant fou, quels que soient les différends qui nous ont opposés jusqu'à présent, aujourd'hui, vous n'êtes qu'un homme qui souffre à cause d'une femme. Ah! Aussi, monsieur le savant fou, je ferai tout ce qui est en mon pouvoir pour vous aider. Ah! Merci, monsieur Superman. Oh, comme c'est beau. Pas de pitié pour les croissants. Ne vous inquiétez pas, ce n'est pas encore fini. Ça doit marcher maintenant, Miss Divine Ariane. Bien, fidèle assistant dévoué, que dis-tu de mon plan machiavélique pour devenir maîtresse du monde? Il est génial, Miss Divine Ariane, il est génial. Quand c'est qu'on le commence, le plan machiavélique? Quand c'est qu'on le commence? Mais tout de suite, fidèle assistant dévoué, tout de suite. Dites, Miss Divine Ariane. Oui, fidèle assistant dévoué. Ben, je suis content d'être votre fidèle assistant dévoué. C'est normal. Mais calmez-vous, monsieur le savant-fou. C'est tellement dur, mademoiselle Dorothée. Ma fidèle Ariane. Et si seulement nous savions où elle se tait. Mais qui ça? Et votre fidèle Ariane, hélas. Elle va rester dans mon laboratoire. C'est là qui était rangé tous les secrets pour devenir le maître du monde. Hélas, cela nous avance pas à grand-chose. Nous n'avons toujours pas su localiser l'endroit où se trouver votre laboratoire. Oh, mais j'y pense, monsieur Superpat. Oh, qu'a-t-il, bébé? J'ai horreur d'être interrompu quand je réfléchis. Excusez-moi, Superpat. Vas-y, dis ce que tu avais dit. Eh bien, voilà, monsieur savant fou, il doit savoir où se trouve son laboratoire. Mais c'est vrai, ça. Vous devez savoir où se trouve votre laboratoire. Mais oui, mais pourquoi je dis pas penser plus tôt? C'est vrai! Il n'y a que monsieur Superpat pour avoir de pareilles idées. Bon, qu'attendons-nous? Allons-y! Pas de pitié pour les croissants. On peut en avoir encore un peu. Es-tu prêt?
fidèle assistant dévoué. Oh oui, Miss Divinariane, il me tarde que vous deviendiez la maîtresse du monde. Plus que quelques secondes de patience, et ton vœu sera exaucé, fidèle assistant dévoué. Eps. Et maintenant, oui, qu'il n'y a plus rien qui peut nous arrêter, on pourrait peut-être leur y expliquer. À qui? À eux, là? Ouais. Ben oui, maintenant, qu'ils vont devenir vos esclaves pour toujours, on pourrait peut-être leur dire comment vous êtes devenue tellement que c'est intelligente. Oui, enfin si tu veux, vas-y, je t'en prie. Et ben voilà, c'est tout simplement génial. Génial. Pour devenir la maîtresse du monde, Miss Divinariane... Que personne ne bouge. Monsieur Superpot, soyez prudent. Ma vengeance sera terrible, infidèle Ariane. Trop tard, imbécile. Monsieur Superpot, faites attention. Que se passe-t-il, infidèle Ariane? C'est génial! Quel est le plan machiavélique de l'ex-fidèle Ariane? Et quelle épouvantable machine a-t-elle déclenché? Vous le saurez en regardant le prochain épisode des aventures de Super Pat. Pitié pour les croissants. C'est pas déjà fini? T'as 30 secondes. On voudrait des glaçons, s'il vous plaît. Ah oui, d'accord, oui. Ça c'est ton rachet. Tu vois tout ça? T'es content que je te promène dans l'endo? Ah, c'est pas tous les jours qu'on se fait promener en poubelle, hein? Quelle horreur. Ça va, elle est propre? Eps! Voyons. Vous êtes Divinariane? Oui. Vous avez un micro. Eps!
Pardon. Vous êtes divine Ariane. Oui. Vous avez, là, vous avez un micro.